Papa, à Weimar, j'ai visité Buchenwald, le camp. Au musée, j'ai vu une photo, la photo d'un médecin, un SS. Et sur la même photo, derrière lui, il y avait un déporté qui... Ouais. Quoi? Non, rien, c'est... Il te ressemble. Mais tellement. C'est fou, les ressemblances, hein. Le prisonnier qui est derrière lui, sur la photo, ouais, c'est lui qui m'intéresse. David Nathan Wagner. Mais c'est David, votre grand-père. Depuis que t'as trouvé la photo de cet homme... Pardon, est-ce que tu viens de dire cet homme, là? David Nathan Wagner, c'est ça? Quel que soit son nom... Mais papa, David Nathan Wagner est ton père. Mais alors, vous ne savez rien. Rien de David, rien de Virginie. Qui est cette très séduisante jeune femme? Gabi, mon grand-père Marcel. Enchantée. Dans ma famille, presque tout le monde était nazi. Je suis l'héritière de cette horreur, de cette culpabilité. Toutes les familles ont leurs secrets. Ça n'empêche pas de vivre. Si? Maman! Mon père a voulu tout le cacher, mais il m'a tout transmis. Je veux écrire son histoire. Mais es-tu sûr et certain de vouloir entendre ça? La violence était tapie dans les silences de mon père. Pourquoi est-ce que tu m'en as jamais parlé? Pourquoi silence, là? Parce qu'il était juif? Parce que t'avais honte? Mon père s'appelle Marcel Fabre. On peut tout supporter. La faim, le froid. Je peux te raconter en détail toute la vie de David Wagner, heure par heure. J'en sais plus sur lui qu'il n'en a jamais su. Mais la peur est insupportable. Tais-toi! Tu crois tout savoir et tu dis n'importe quoi.